Non, tu me loues. Prends des dédicaces sur le ballon, putain. C'est un démon qui sort sur nous. Assaut dans le vide, mec, c'est périlleux. T'as les yeux rouges vermillons. Tu me dis que je me prends trop au sérieux. On sait jamais sur qui nous parions. On peut baiser sa meuf sur un flipper, Bibs. Écoute, Charles, tu me passes le numéro de ta copine et puis puis je peux essayer pour toi, frérot. Et puis je te dis. Je te dirai si le flipper a tenu ou pas. Hein. Et je filme. J'avais dit que je filmerai quelques parties de flipper. Je compte sur toi, évidemment, pour filmer tout ça. On attend le numéro MP. T'envoies le numéro, t'envoies un petit snap pour me mettre l'eau à la bouche et on voit ça très vite. Oh, regarde, Loulou. Très faible myopie. Il est myope à 99%. Faut non, le savoir, c'est hein. Dope, c'est une dope, Louliane. Voilà. Puis voilà l'évolution. Ah si, c'est la cocaïne et la farina. T'as compris? Shakira Pereira. Ah si, c'est la puta. Mercedes Mori. Ah si, c'est le pimento, c'est la cocaïne et la casa. Salut Manon, ça va? Oh, elle est bonne. Elle est bonne la moquette, elle est bonne. C'est de la bonne moquette, ça. Ça, c'est de la très bonne moquette. Hein. C'est même des bonnes plantes. Hein, les gars? Allez, envolez-vous, je vous ai libéré. Non, c'était votre œuf. Attends, les gars, si on a un de vous quatre là qui a chié un truc comme ça, hein, ça doit faire chou-fleur en RTX. Excuse-moi, frérot, non, je suis désolé, pars pas. Il est parti se foutre en l'air. Mais après, c'est en vrai, mais c'est toi ou pas? Oula, c'est quoi cette merde-là? Fusio? C'est Fusio. Ouais, okay, hein. Salut. Tu me casses pas la gueule, gros, hein? Tu m'éclates pas la gueule, gros, vraiment? Je l'accuse jamais, hein, les gars. Je préfère vous dire, les gars. Je suis un fils de pute si je lui dis que c'est Fusio. Même si je le vois tuer devant moi, je lui fais non, c'est pas lui, les gars. Prends-moi une petite bouteille d'eau, s'il te plaît, mon cœur. Tu serais adorable. Je te ferai beaucoup de bébés à l'avenir. Oui? Mais non, je suis tombé de ta faute. Tu dégoûtes la vie de ma mère. Je retire tout ce que j'ai dit de bien sur toi. Où on a tous un côté ou un moment dans la journée, il y a aucune raison tu vas pousser un bruit chelou, frère. Hein, un bruit débile, d'accord? Tu vas être là et tu vas être je suis débile en fait. On a tous le quart d'heure trise, hein, évidemment de la journée. Et vous le savez très bien. On a tous un moment où tu vas faire et t'es en mode mes frères, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi gros. Moi je sens qu'il arrive bientôt. Ben oui, non mais on l'a tous. Le chien on peut le faire. Oh merde. Oh non. Oh non, mais je croyais que ça allait passer à travers. On rassure les gens, il a été euthanasié, il y avait une maladie, voilà. Il a mordu un gamin. Voilà. Ah, Hervé, c'est le frère. C'est le frère. Oh, il a l'air gentil, on dirait Louis de Funès en face terme. Non, mais il a l'air grave gentil. Pas plus loin que le bout de mon nez. Moi, je suis spontané. Ladies and gentlemen, bienvenue sur le Mr. B Airline. Je vous propose de vous installer confortablement à l'aide de votre siège et de vos accoudoirs ou sur votre lit. Préparez-vous à décoller pour une nuit ensoleillée. Ne regardez pas le renard passer. Oh putain. Si vous le regardez, il va nous sucer. Ah, j'ai regardé. Hein. Je l'ai regardé aussi. Oh, non. Essayer un jour, il va bouffer un fiac, putain. Il va tomber dans les pommes. Il va tomber dans les pommes, la langue dans le fion. C'est tout ce que je te souhaite, mon pote. Tu veux rencontrer les plus belles cougars de ta région? Appelle le 32626. Seulement 4 euros la minute. Elle a eu peur? Elle a eu peur? Elle a eu peur? Ah non! Ah non, non, elle est loulou! Elle a eu peur! Elle est loulou! C'est BSL! Ce n'est pas le meilleur plan! On va réétudier un nouveau plan! Bah, mais là, Loulou, il a gravate là, il chauffe de ouf, il est en mode. Il va se baisser son froc. Dans chaque main. Bré. Et on embrasse bien sûr toutes les familles qui nous regardent. Rencontrer des grosses daronnes de 55 ans avec des lèvres qui touchent le sol? Alors n'hésite pas à sub, c'est tout de suite. So baby, you are right! Ah! Putain, fils de Et j'ai eu un accident de moto, j'étais 3 semaines dans un semi-coma, et alors après ce jour-là... Un semi-coma? J'ai jamais plus été le même. Il y avait un œil fermé, les gars, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un accident? Ah, ok. Réveille-moi dans une semaine. Loulou, parle pas comme ça. Bah ouais, Quentin, je sais plus ce qui t'arrive. Attends, pose. Tu m'appelais comment, là? Quentin. Tu valides ou pas? Est-ce que tu valides ce dernier prénom que tu auras cité dans ta vie, sûrement? Oui. Ou alors tu refais une marche arrière et tu dis non, je me suis mal exprimé. J'ai panique, en fait, j'ai pas qui dire. D'accord, ok, je peux comprendre. Une panique, ça arrive. Et du coup, j'ai sorti ton prénom, je sais pas pourquoi. Y'a pas de soucis, là, j'y close, je comprends. Il m'entraîne au bout de la nuit. Robinson, le diable en folie. Au sujet fendu. Hop, laissez faire les professionnels. Ah bah, y'a un pro ici. Je le connais, il est pro, lui. Il a un background, monsieur. Je suis mort. Oh, bâtard. Oh, c'est moi qui prends ça, mec. Plus beaucoup, je vais m'en aller. Oh non, ça lag, mais non. Je perds ma série à cause des lags, gros. Ah, putain.
putain de merde. Loulian, viens que je te casse la gueule. Les gars. Mais c'est incroyable. Pourquoi lui tu... Et pas moi. Putain. On a vraiment pas. Mais donnez-moi les mêmes armes que les autres. Bande de fils de p... Et Loulian Mais j'ai lucide. Hey, il a complètement oublié. Ouais, retire par contre toutes tes conneries là. Mais lui, il est pas serein. Il regarde, il fixe, il fait c'est quoi. Il a quoi l'oreille, le con. On compte beaucoup sur nous. Donc un truc à l'oreille là, gros, c'est violet, je crois. Ah putain, dans ta gueule. Je pense que tu as un démon qui est sorti, gros. John Jones, doit-on partir? Il a tout en l'air. Ouais, je vous le dis, je vais m'en aller. J'ai sorti un Silmi quand j'étais au volant de la BM. J'ai fait Sophie, ouvre les fenêtres, c'est la panique, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Il a encore envie, Sophie, fais gaffe, appelle les flics. La tête de ma mère, c'est notre joke, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait Sophie, t'as un mouchoir, elle me fait non. J'ai fait non. Hop, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai envoyé un Silmi, ça a percuté la voiture arrière, oh, accident sur la nationale. 4 morts, 8 blessés. Moi, je vais me faire des parties de flippers ce soir, tu vois. Moi, je vais mettre un point d'enfion. Oh, bah, je vais peut-être pas faire du flippers ce soir. Je vais peut-être aller voir un pote. Je vais mettre mon cosplay de flipper et tu me tiltes la gueule. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il gâche tout, Alvoy. Ouais, mais les gars, mais il a fait quoi, putain? Tu feras des dédicaces sur le ballon plus tard, putain. Si j'ai bien appris un truc de mon expérience sur Tarkov, c'est que l'hésitation, c'est ce qui te tuera. Là, j'ai hésité. Voilà, là, j'ai hésité, là. C'est le meilleur vaisseau, ce qui est pas grand. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Il a dit, ouais, je ouais. Ah non, mais pour finir, t'as dit quoi, Loulou? Et de merveilleux skippa. Ah oui, hop, oh là là là. Non, mais t'as dit, il fait des merveilleux skippa. Ouais. Mais gros, tu te rends pas compte, tu dois écouter, hein. À te créer, on peut s'en aller. Tout s'est bazardé. Voilà, ça se passe bien ton boulot en ce moment, non? Non, mais en vrai. C'est bientôt la fin. Ah ouais? Ouais, dimanche, c'est fini. Et y'a moyen qu'ils te reprennent ou pas? Là, c'est compliqué. Oh, gros, tu l'as vu? De quoi? Le couteau dans ton dos. Donc on était 3-4 en une même soirée à tomber malade et tout, tu vois. Je suis allé à l'infirmerie et là il y a un mec, fait quoi? Il arrive, il fait, les gars, je me sens pas bien. Un jet, frérot. Moi, je le regarde, je bégère. Là, il se passe que le mec à côté de moi, il me regarde, il bégère. On était 3 à avoir bégère en plein dans l'infirmerie. Les selles sont comment en ce moment? Ça va. Après, en vrai, c'est pas méchant. Hein. Vous regardez, vous, avant de tirer la chasse ou autre, ce que vous avez lâché? Moi, je regarde jamais. Hein. Ah, faut toujours regarder, hein. C'est important. Non, moi, je regarde jamais. Hein. Selon la couleur, selon la texture. Ouais, bah ça, tu goûteras plus tard de ton côté. C'est comme quand tu te mouches. Non, mais c'est comme quand tu te mouches. Hein. Mais vous avez déjà chié des bâtons d'uranium, les gars, ou... Quand tu bois trop de Jet 27, ouais. Ouais. Va faire des randos en montagne avec tes chiens. Alors, une montagne dans la région centre, laisse-moi check. Ça n'existe pas. Tiens, j'ai vu mon ami. Pas fini. Il est mort, de se dire, mais il est en train de se détruire le fiac. Putain, le cadeau qu'on lui a acheté à Noël, il est peut-être plus grand prévu. C'est daron, il n'ose même pas rentrer dans la chambre, voir ce qui se passe, tu vois. Après, je lui dis, non, on va avoir un trou de balle énorme, c'est mort. Des fois, je descends, ma mère, elle me regarde, elle me dit, t'es complètement cinglé. Mais dis-lui que tu vis la passion du football. Dis-lui que c'est l'amour du football. Dis-lui que c'est l'amour du football. Moi, j'ai peur. Il a rien qui va. C'est bon, j'ai bien visé. Ok, c'est bon, let's go. Chérie, je m'occupe de la lumière aujourd'hui. Tu crois me connaître, mais t'es trop ledge. La suite de l'histoire, on la connaît. Salut tout le monde. Oh, elle l'a fait trop bien, putain. Comment ça fait partir aussi loin? D'accord, j'ai compris. Je viens de comprendre. Non, Skyboo, t'es un forceur, gros. Ouais. Il a du gel hydroalcoolique, le frérot, là. Non, mais hey, Skyboo, fais un effort. Oh, il a des palmes. Mais quoi? Mais moi, t'es... Non, mais c'est terrible. Ça arrive. Ah, mais il a de la merde dans les yeux, c'est pour ça. Il est en train de chier de l'œil. C'est son œil qui a pété. Mais attends, tu t'es chié dessus, enculé. Tu vas prendre des dégâts? Bah, c'était pas très haut, là. Ah, il est quand même un peu cher. Oui, ça parlait comme ça à l'époque viking. Non, non, c'est... Les gars, je suis fan... Un peu cher, ça va pas, fada. Oh là, il vomit. Ouais, par contre, il fait des gorges profondes. Ouh, ça devient intéressant. Vous habitez où? Parler sur moi pendant des années. Dès que j'aurai percé, tu me diras mon avis.
famille. Il rentre chez moi, mais ni Alfoui ni moi étions au courant qu'il s'était rasé les sourcils, le man. Et résultat, Fufu, il ouvre la porte de chez moi, il rentre, je le regarde, et là, je vois un man qui rentre, aucune expression. Il n'y a plus de sourcils, il n'y a plus rien, frère. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça et tout, tu vois. Il dit bonjour à Alfoui, et j'ai souvenir que Alfoui et moi, on se regarde. Dans notre tête, on se dit, il se passe quelque chose, c'est grave ou pourquoi t'as pas de sourcils? Et là, il me regarde. Mais le problème, c'est qu'un man qui a pas de sourcils, tu sais pas quand il rigole, quand il est étonné, quand il pleure, il a pas de sourcils. Ils vont dans le confessionnal. Attends, ils vont dans le confessionnal. Ils vont devant la caméra. Ils vont confessionnal. On était mal. Oh mon dieu, elle est dans le confess. Aïe. Ah, me tape pas. Voilà. Là, par contre, il fait beaucoup moins mal. C'est bien, défends-moi, Neji. Aïe. Me fait mal. Je suis un fils de pute si je pose un genou à terre, cousine. Tu comprends pas? Personne ne me verra un genou à terre. À part à mon dernier souffle, tu comprends ou pas? Les gars, ils sont là, ils mangent une entrecôte. Le man d'un coup, c'est pas pourquoi, il a un bout de salade dans les chicots, il met un genou à terre. Et l'autre, elle est là, elle chiale. Oh putain, je suis trop ému. Casse-toi de là, je suis une salope. Si quelqu'un m'affaiblit et me met un genou à terre, tu comprends ou pas? On va en parler deux minutes, on s'écarte, on revient. Tiens, allez-y, prenez votre temps. On n'a pas trop le choix, sinon on est là. Oui, voilà, donc on fait style de réfléchir. Écoutez, je suis avocat, je connais nos droits et je pense que ça me paraît. Voilà, on fait style de réfléchir. Ouais. Voilà, note qu'on accepte sans condition. C'est... Écoute, voilà, allez, un verre contre. Ferme la bâtard, y'a pas d'humain que des avatars. Wow. La loi est puissante. Mais oui, mais dites donc, la loi est très très forte. J'ai cassé ta portière. Je suis en direct du trou de balle de Loulou. Et plus ça va, plus je m'enfonce. Vous voyez m'enfoncer. Oh là là. Oh là là. Je ne vois plus de lumière. Louliane. Ça c'est drôle. Voilà, écoutez, il en faut peu. On joue beaucoup la simplicité. Bah vous jouez les ailes à fond. On joue le football, on joue le football, frérot. Regarde. Ouais. Ça c'est une comète. Ça va ou quoi, Loulou? Non, c'est trop, frérot. Ok, d'accord, je vous écoute. Voilà, mais merci de nous avoir écoutés, monsieur, et puis on vous souhaite une bonne journée. Passez une bonne soirée, passez une bonne soirée, monsieur le président. Bonne soirée, monsieur. T'as vu, mais t'as pas regardé? Elle est belle, elle est belle. Parfaite, ça, parfaite, les gars, let's go. Ça, c'est du football, Thomas, ou pas? Ça, c'est du football. Tu mets quoi dans les paramètres sur eux? On met football. Deux chaussures, deux protège-tibias, le football, gros. Oh, bah non, et Cooper, attention, je suis devant. Ça va partir. Écarte-toi, Bonjour, je suis un grand criminel. Pa. Oh là là, dis donc, j'ai aucun contrôle. Mais dis donc, comment on arrête ça? Vas-y, secoue-moi ça. Ouais, ah bah GG. T'as gagné un chèque cadeau Amazon de 200€. Ah merde. Elle a pas les chèques cadeaux. Adieu. Pas les chèques cadeaux. Adieu. Vous voulez quoi? Vous préférez Darty? Amazon? Vous voulez quoi? Un clavier Rocket, Maria? Vous avez gagné la vitrine, Maria, la vitrine. Vous voyez que c'est accessible, mon Sterling? Oui, j'ai les clés. Allez, viens vite, je pense que tu devrais monter, Sterling. On va mourir, Sterling. Mais non, pas bien.